Salut, c'est Fast and Breakfast avec Boîtier Rouge. Il faut que je parle là. Ah bah ouais, tu dis ouais, salut, c'est Boîtier. Salut, c'est Boîtier Rouge. On a notre lancement, c'est bien. Bah voilà. Hop, nickel. Avec vue sur tout le salon. Ça a vu ça. Rétro mobile. Parce que c'est rétro, c'est mobile. Exactement. Non, mais moi je trouve ça quand même beaucoup plus amusant que le salon de l'auto classique. Ouais. Parce que le salon de l'auto. J'ai pas arrêté de hurler moi au salon de l'auto. Ah, c'est moche, c'est moche. Ah ouais, bah aujourd'hui on fait souvent des bagnoles moches. Hein. Ah ouais. Pas que, mais souvent. De toute façon, maintenant on fait des SUV. Donc c'est pas de gros mots. Des SUV. Voilà. Tu sais, ceux qui aiment disent des SUV et ceux qui aiment pas disent des SUV. C'est vrai. C'est moche les SUV. Surtout, je vois pas l'intérêt d'être. Non, il y en a pas. Tu vois l'intérêt d'un SUV, toi ? Non, tu parais gros. Deux ans, tu vois rien. Ça prend de la place pour se garer, ça prend de la place dans l'espace visuel qui est public. Oui, ça fait saigner les yeux en plus. Mm-hmm. Tu veux qu'on parle des belles voitures de chez Fiat, l'ancien. Fiat. Et Alfa. C'est. Ouais, j'adore. Une belle dino, ça. Avec un moteur fait par Ferrari. Ça, c'est génial. C'est très beau en tout cas. Ouais. Et pareil, le volant, il est. C'est ouais, ça, c'est. Dans ma salle, j'ai un volant en bois. Hein. Ah ouais, ouais. Ça, c'est trop la classe. Oh, il est beau. Mais ça, quelle donc classe. Ça, c'est presque une petite Ferrari. Et d'ailleurs, tu vois, le style est assez dynamique. À l'époque où Fiat faisait autre chose que de la Fiat 500 comme aujourd'hui. La bonbonnière. Je suis sûr que tu n'es pas très fan de la Fiat 500, toi. Non, non, j'aime pas. Ça ne ressemble à rien. Oups. Pourtant, tu vois, c'est comme quoi. C'est une bagnole de filles, pourtant. C'est, bah, oui, bah, je ne sais, enfin, sais pas. Disons, de certaines filles. Ça, enfin, d'une gamme de filles. D'une gamme, oui. Et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une Lancia Appia coupée. Tu as vu ce toit, là? Et ce pare-brise arrière d'un seul tenant. Ça, c'est génial. Oh, oui, c'est bon. Dessiné par Pininfarina. Ça, c'est pareil. Oh, chez intérieur, simple. Ça donne envie de conduire. Tu vois ça? T'as envie de conduire tout de suite. Moi-même, j'ai envie de conduire. D'ailleurs, tu remarqueras que c'est le même designer que la 404 qu'on a vue là-bas. Ouais. Et tu vois, à cette époque, on ne se gênait pas pour faire des dessins assez proches parce que. Sinon, il y a une super bagnole, mais ouais. Tu ne vas pas aimer. Ah bah, on va se battre. Vas-y, viens. Moi qui aime les looks un peu bizarres, c'est celle-là. L'Alfa Romeo SZ. Ça, c'est assez qu'à 2000 pour le coup. Alors, c'est assez qu'à 2000, c'est Zagato. Donc c'est un dessin particulier, Zagato. On aime ou on n'aime pas. Mais non, c'est génial ça. On l'appelait à l'époque Il Mostro. Oui, ça lui va bien. Voilà. C'est bien vu. Ben écoute, c'est en tout cas très peu d'exemplaires, un peu plus de 200, je crois, maximum. Et ça s'est vendu comme des petits pains, alors que c'est sous-motorisé, c'est pas non plus. Ah bah, ça c'est bien la peine de l'appeler le monstre si c'est sous-motorisé. Mais bah, c'est le design, c'est Zagato, c'est les années 80, enfin fin 80, début 90 même, que je dise pas de bêtises. Ça va péter la porte. Tu vois, j'étais bon. 89, ouais. Et tu mais vois, 207 chevaux seulement là-dessous. Mais voilà, elle a un look très sportif, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Et cette bagnole est à vendre, là, si tu as un peu de sous de côté. Non. C'est pas. Mon choix se portera pas vers Il Monstro. Qui l'a restauré totalement. Et elle est vendue, la bagatelle, de 103 000 euros. 103 000 euros, waouh. L'autre, il l'a un peu bousé tout à l'heure en fermant la porte un peu trop fortement. Ah, un SUV. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est beau, ça s'ouvre comme ça, les portes. C'est une SL. Waouh. Entièrement restauré apparemment. Donc, tu vois, le moteur est neuf, 0 km. Bah, c'est Brabus classique en fait qui refait à neuf des Mercedes. Quoi. Je me demande comment tu fais pour rentrer parce que c'est quand même super bas et puis après tu peux te prendre ça dans la poire, il y a de la gymnastique. Vaut mieux pas être vieux. Une voiture de dictateur, ça c'est bien. Toi, pourquoi tu dis dictateur? Ça bah, parce qu'il n'y a que les dictateurs pour acheter ça. Ah ouais, ouais. Si, c'est ce qu'il dit. C'est ce que je disais. Mais ils ont pas c'est si mauvais goût que ça. Non. Bon, bah il n'y a pas la voiture de mes parents. Okay. Une Mercedes 240D. C'est... Là, oui, c'est déjà en D, tu n'es pas sûr d'en trouver une ici. Non, mais le diesel n'est pas hyper prisé en collection. Ce qui est un peu idiot d'ailleurs, parce que pour moi, le collectionner des bagnoles, c'est aussi
préserver des choix techniques X ou Y. Et le diesel, à un moment, les Mercedes ou Peugeot ont été précurseurs sur le diesel. Et c'était des solutions techniques intéressantes, quoi. Mais après, voilà, le collectionneur, il a tendance à vouloir la version luxueuse, il a vouloir le moteur le plus puissant, il va vouloir tout ça. Mais le diesel, généralement, c'est les bagnoles de commerciaux, c'est... Donc c'est pas classe, quoi. Ce qui est dommage, moi je trouve qu'après tout, par exemple des 4x4 à collectionner, c'est très bien en diesel, ça a beaucoup de couple, c'est assez pertinent comme truc. Les 4x4 c'est pas moche en plus. C'est mieux qu'un SUV, moi je dis si tu veux un 4x4, tu prends un 4x4, arrête de nous faire chier avec ton SUV, c'est ridicule. Voilà, moi je dis un vrai 4x4, ok. Bah voilà. Un SUV si c'est pour avoir tout et rien. Ouais, t'as même pas 4 roues motrices la plupart du temps. Ouais, en plus, c'est quand c'est un crossover. Non mais en fait, ce qui est idiot, c'est que t'as pas l'espace qu'il y avait dans un monospace, t'as pas les capacités de franchissement d'un vrai 4x4. Tout à fait. En fait, t'as juste la gueule... t'as l'impression que t'es plus haut que les autres, quoi. En fait, c'est, pour moi, le SUV, c'est un concours de cliquettes. Ouais, mais c'est comme elle est grosse, regarde c'est ça, comme... Ouais. En plus, tu crois que t'es plus haut, mais non, c'est juste t'as le tableau de bord, comme ça au-dessus des yeux, et c'est là que tu te dis je suis plus haut que les autres. Mais dès que t'as un 4x4 qui te passe à côté, t'as l'air, tu te sens mal, tu te sens petit. Exactement, voilà une belle voiture. Ça, ah ouh, une Jaguar XJ220. Alors c'est sportif, me dis rien, c'est une sportive. Oui, a priori. Mais... mais c'est une de celles qui... pilotée par Coulthard, je pense, aux 24 heures du Mans. C'est une bagnole qui a donc gagné les 24 heures du Mans dans la catégorie GT en 93 et qui a été déclassée après. Ça veut dire quoi, déclassée? Ils ont été disqualifiés parce qu'ils l'avaient conduite sans catalyseur. Or, le règlement imposait d'avoir un catalyseur. Et sans catalyseur, ça te faisait 50 ou 60 chevaux de plus. D'accord. Forcément. Donc, elle a presque gagné le Mans, mais officiellement, non. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est les mêmes phares que la CX, par exemple. Et ça, c'est des feux arrière de Rover. Donc voilà, c'est rigolo. Et pourquoi le catalyseur, ça te fait perdre des chevaux? Parce que c'est une bonne question. Parce que ça a tendance à brider au niveau de l'échappement. Et donc l'échappement fait partie de la... Enfin, contribue à la puissance d'un moteur. V8, ça veut dire ça roule vite, non? Hein? V8, ça roule vite, c'est un gros moteur. C'est un cylindre en V, 8 cylindres en V, comme tu peux le voir. On n'a eu que 114 de construite. Ah ben là, l'intérieur, elle est magnifique. Là là, moi j'achète. C'est combien? Un petit côté Spirou turbo-traction, tu vois, je trouve ça sympa. Ah, c'est rigolo, ça. McLaren m'en a prêté une cet été. Je dois avouer que c'était pas mal. Alors celle-là c'est une récente, après ça a l'air d'être une expérimentale, alors je sais pas ce qu'elle a exactement. Ouais, ça pourrait être expérimental, Ouais, mais on l'a dit que c'était une McLaren, c'est pas la peine que tu le filmes en gros. Fais des plans larges. Fais des plans larges. Regarde comme c'est bizarre. D'ici, tu vois, elle est toute écrasée là comme ça. On dirait que c'est une orange qui a été tassée un petit peu. Ah oui, elle est hybride en fait, c'est ça. Une hybride. Elle est complètement folle, celle-ci elle est folle, tu vois, pouch. Je te dis, j'en ai une à peu près dans le même style cet été, c'est génialissime comme bagnole. Alors c'est tellement facile à conduire. Et t'arrives à savoir où commence ta voiture à finir, là, les ailerons Finalement, on s'y fait assez vite en fait. C'est comme tout, hein, quand c'est bien fait, on s'habitue au luxe, on s'habitue à la puissance. Ouais. C'est vrai que quand tu reprends ta bagnole derrière, tu te dis, mais il manque des chevaux quand même, non? Parce que celle qu'on m'avait filée, c'était 570 chevaux. Pourtant, ma bagnole, elle en a 200. Et tu t'aperçois qu'effectivement, il y a 370 chevaux en moins. Lamborghini. Le vert pomme, c'est spécial quand même. Ouais. Donc ça, c'est une Miura. Une des plus jolies Lamborghini, moi, je trouve. Une des plus jolies? Lamborghini, ouais. C'est joli, ça, mais parce que c'est vieux. C'est vieux, ça. Ah bah, c'est vieux, ouais. C'est les années 70. Ça, c'est beau, c'est ça. C'est la même que celle-là, je te signale. Comme quoi, il suffit de changer la couleur. Hein. Ouais, tout à fait. J'aime pas le jaune, mais c'est drôle, les femmes, on dirait qu'elle a des cils et tout. Ça, c'est pour les filles. Ça. C'est quoi, ça? Une Facel Vega. C'est une marque? Ah bah oui, une marque française. Facel Vega, j'ai jamais entendu parler de ce chose. Alors, tu
tu connais pas la voiture en fait. Regarde, c'est ça. Ben non, pas toute, je connais la Renault 5 électrique. Mais ça, j'ai pas tassé. La Diablo à côté. Alors la Diablo, c'est quoi? Une Lamborghini. Ah. Encore. Exception alors. C'est intéressant. Moi, c'est pas ma cam. Ça, c'est vraiment. C'est comment ça s'appelle les bouquins avec les ma grand-mère d'histoire à l'eau de rose. Bon, c'est pas vraiment de l'eau de rose, je sais. Tu sais, Arlequin, là. À les Arlequins, voilà. Pour moi, le médecin dans Arlequin, il conduit ce genre de truc. Ça me fait pas... Ah, moi, ça me... Là, pour le coup, moi, je suis assez Lamborghini. Ah, ouais, c'est que... ça. Mais celle-là, moi, la Countach et la Diablo, c'est les bagnoles qui me faisaient rêver quand j'avais 15 ans, quoi. Parce que c'était différent, c'était plat, tu ouvrais les portes comme ça, c'était puissant. Ouais. Après, ça, c'est inconduisible aussi, hein, c'est une horreur. Des portes qui s'ouvrent comme ça, ça j'avais jamais vu. J'avais vu par le haut. La McLaren, c'est ça aussi. Les ouvertures en élytre, comme on dit. Mais ça, ouais, ça, c'est, il valait mieux savoir conduire ce genre de truc. Hein. Et avoir des bras musclés. Un mollet aussi pour l'embrayage. En fait, ça a l'air d'une voiture de sport, mais à l'intérieur, c'est un tracteur, c'est ça que tu me dis. Lamborghini, les tracteurs, t'as trouvé la bonne image. Hein. Ah ouais, ils font des tracteurs. Bah parce qu'à l'origine, Lamborghini, c'est des tracteurs. Mais je suis doué, moi. Je suis fait pour ce métier. Mais toi, tu retrouves l'histoire. Ah là, c'est ça, l'odeur. C'est trop. Et Ferruccio Lamborghini, en fait, était un client de Ferrari. Il avait fait fortune dans le tracteur. Ouais. Et comme il n'était pas content et qu'il était un peu sous-estimé par Enzo Ferrari, qui disait « Bon, t'es qu'un vulgaire fabricant de tracteurs, arrête de m'emmerder avec les bagnoles, tu les prends comme je les fais et puis tu te démerdes. » Il a dit bah, « C'est comme ça, bah, je vais me faire ma propre bagnole. » Et c'est comme ça qu'il a lancé Lamborghini. Wow. Donc c'est bien des tracteurs à l'origine. Ce qui explique peut-être qu'il faut avoir le mollet d'un agriculteur pour pouvoir embrayer sur cette bagnole, débrayer aussi. Lamborghini. Les chapeaux, quoi. Ouais. L'image du tracteur. Ça se sent. Ah ouais, mais là, en revanche, j'aime pas. Ah là, ça c'est moche. Ah bah là, c'est les années 80, 90, enfin plutôt 90. Elle est sortie en 89, cette bagnole, la première. Et donc c'est particulier, les compteurs. Et après, tu remarqueras, c'est des bagnoles qui coûtent la peau du cul, donc c'est que les vieux qui peuvent s'en acheter. Mais tout est fait pour que tu puisses pas rentrer et sortir dedans, quoi. Ah ça, Robic, le poissonnier, il en avait une comme ça. J'adore. Ça c'est bien, c'est un type H que les Français appellent à tort le tube. Pourquoi il appelle le tube? Parce que en fait le tube c'est c'est l'utilitaire précédent celui-là. D'accord. J'aime bien Robic qui venait dans la cour de chez ma grand-mère, il venait avec son poisson tous les vendredis, pout, il sonnait. Et puis quand il ouvrait tout ça, moi ça m'impressionnait. Je regardais le tableau de bord. Après, c'est pareil, là, avec la mode des food trucks, on en voit partout, ça devient ouais, presque... C'est pas cela. C'est des food trucks tout pourris, quoi. Ouais. C'est quand tu fais de la photo, les rues de Paris, tu peux plus rien photographier. T'as des voitures moches tout du long, tu vois. Et si t'as ça dans la rue, tu te dis, wow, l'autre fois, on est revenu d'Amsterdam. J'étais, alors, c'est moche, l'autoroute, c'est moche. D'un seul coup, paf, une déesse nous dépasse. Ah bah, et là... La vie est très belle. Après, t'as d'autres belles bagnoles qui sont assez particulières. Bon, l'Avantime, tout le monde n'est pas obligé d'aimer. Mais juste derrière, t'as une des plus belles bagnoles pour moi, au monde. Tu me parles de la verte? Non, celle derrière. Oui, l'Avantime, c'est la verte. D'accord. Oui, il faut que tu m'expliques. Et la plus belle bagnole, pour moi, c'est la Venturi. La Saab qui est là-bas, non, c'est ça? Une Venturi, ça. Pas bon, l'Avantime, j'aime bien aussi, mais c'est celle-là. Ça, t'aimes bien aussi, ça? Bon, t'as des soucis. C'est une 260. 260 chevaux, ils se font pas chier chez Venturi. Et le nom, c'est le nombre de chevaux. C'est ça, pas bête. Fabriqué en France, avec un moteur V6 PRV à l'arrière. Mais oui, elle est vraiment. Enfin, maintenant, elle est vraiment. Pour moi, elle est dans la collection, parce qu'il n'y a que 800 bagnoles qui ont été faites globalement. Donc, 800 bagnoles, c'est pas beaucoup. Ça, moi, je suis un grand fan, autant que ça. Ça m'étonne pas. Ça, c'est beau à l'intérieur. T'as du cuir, t'as du bois. T'as les mêmes rétroviseurs de CX, comme toutes les bagnoles de sport de ces années-là. Comme quoi, les rétroviseurs de CX, c'était bien. Le tableau de bord, il est sympa, ouais. Ah, t'as vu ? Ah là là, grande classe. Celle-là, en plus, elle est dans un état fantastique, donc... Et puis surtout,
Ça marche du feu de Dieu. Il n'y a pas besoin de 400 chevaux pour aller vite avec cette bagnole. 260 suffisent. C'est parce qu'elle est bien profilée ou... C'est un châssis super surtout. Ah oui. C'est un vrai kart, c'est une vraie Formule 1. Voilà. Voilà, ce premier rétromobile. Tu veux que je te dise. Bah, j'en pense, c'est un peu une expérience, une première expérience dans les meilleures conditions possibles. Déjà, je suis de bonne humeur. Ensuite, il y a Paul qui raconte la vie des voitures, ce qui fait que je passe pas pour une idiote, quoi. Et j'apprends beaucoup de choses. Oh ouais, c'est beau. Ah, oh, c'est beau. C'est beau aussi. Moi, c'est pire. Quand j'ai des voitures comme ça, je me sens comme dans un magasin de chaussures. Ça. Je n'en peux plus. C'est pire. Je veux bien conduire pieds nus. Il y en a quelques-unes qui sont sympas. Oh. Tiens, ouais. C'est trop beau. C'est une petite Maserati, c'est sympa. Aïe. Moi, j'aime bien. Oui, l'avant, c'est un peu tacam, moi. Ah, yes. Monoplace. C'est pour les célibataires. Qu'est-ce qu'ils font là ? Bah, ils usinent des pièces. Là, tu peux trouver plein de pièces détachées pour des bagnoles. Ah, bah voilà ce que tu me disais tout à l'heure. Un tracteur Lamborghini. Super design du tracteur Lamborghini. On sent qu'il allait faire de la bagnole. Eh ouais. Tu sais que ça existe encore, les tracteurs Lamborghini. C'est vrai ? Ouais. C'est séparé de la marque, mais voilà. C'est pas mal ça.